Oh Camille, elle m'avait pas manqué celle-ci. C'est fort contre Trine en plus, non? Ça dépend du setup qu'elle utilise. Tu sais, Camille, il y a 37 manières de la jouer, ça peut vraiment varier en fonction de son setup. À ce point-là? Ouais. Ok. Entre affronter Camille PTA, affronter Camille Conqueror et affronter Camille Poigne, c'est vraiment pas pareil à chaque fois. Ok. Je suppose que tu préfères affronter PTA que Poigny. Ouais. Le mieux reste Conqueror en vrai en tant que Tryndamere. Si elle joue Conqueror, c'est le moins dur. Le pire est en poigne. Et le comète? Ça joue plus Comet, hein. Ah ouais, Il du y avait coup. une période où Comet c'était bien. Ou peut-être, mais pas contre Trinda, tu vois. Ok. Un moment où Camille Comet m'ennuyait vraiment, c'était quand je jouais Jax, par exemple. Tu sais, Ouais. Jax, c'est un counter de Camille, dans l'idée. Du coup, les Camilles, ce qu'elles faisaient pour ça, c'est... Trois Elles points de adaptaient leur W, playstyle, comète. Ouais. et elles faisaient de leur personnage une sorte de caster. Elle maxait le balayage, elle prenait un setup Comet Scorch. C'était fort en vrai. En vrai, bro, tu prenais deux balayages, t'étais sorti de la lane. En tenue de lane, c'était n'importe. Surtout que, autant Jax, t'as la sustain, tu vois, grâce au vu que tu go corrupting, autant le pool d'HP de Jax de base est vraiment pas élevé, quoi. Ouais. Il l'était fut un temps. Puis il s'est fait casser ses stats de base, il y a fort longtemps. Mais vraiment fort longtemps pour le coup. Ok. Ah là là, la saison 3. La saison 3, l'époque où avec Jax, tu pouvais frôler les 3000 HP niveau 18 avec juste une trinité et des runes HP level. Ah, les anciennes. L'ancien système de runes, il me manque en vrai de Ouais, toi. en vrai de vrai, oui. Qu'est-ce que c'était cool! C'était super cool! C'était vraiment bien, moi j'aimais beaucoup. Dès là, en fonction de ta lane, soit t'avais la petite rune crit à 0,9%, t'avais les runes à 4,5% d'OMS. Il y avait carrément des mecs en jungle, ils prenaient les runes XP, genre. Ah mais oui, la méta des runes... Je me rappelle, il y avait eu ça, mais vraiment de manière compétitive, hein. La méta des quintessences XP en jungle pour Ouais. être niveau je sais plus combien en faisant juste je sais plus quoi. Et tu pouvais faire des ganks de fou furieux quand le mec était niveau 1 sur sa lane. Tu prenais les jungles les plus débiles de la méta, Ah comme ça genre t'avais. Rek'Sai. Je me rappelle de cette histoire de quintessence XP sur Rek'Sai Ah pour être ouais? très très vite genre niveau 3 et le Rek'Sai te tombait dessus niveau 3, t'étais niveau 1. Moi c'est surtout le Warwick dont je me souviens. Ah oui, Oh. Varvek. Oh, wow. L'ancien Warwick où tu faisais que XP. T'étais là niveau 6, les solo laners étaient à peine niveau 4, voire niveau 3. Pas stylé. Tu te faisais 100-0 randomly. Qu'est-ce que je l'ai joué l'ancien Warwick? Ah, c'était vraiment quelque chose. Hein. Des gros coups de patte au start d'Oran Ring en top lane. T'as cassé les couilles de payer les runes individuellement, c'est vrai, mais. C'était un luxe que quand tu les avais toutes, c'était vraiment une tuerie. T'étais à OG. Tu pesais dans le game, bro. Oh, il y a eu une explication pour laquelle ils ont changé le système autant. Pour la simplification pour les débutants ou. Simplification, j'imagine. Rendre le jeu plus accessible. Nice. Elle s'est retournée pour faire proc son proc de poigne et elle gagnait le trade. Bah ok. Bah tu peux pas farm. T'es complètement zoné. Libre à toi de rester là en te disant que t'es trop maligne. Voilà. Bon, pas de Nidalee qui me gank pile sur ce timer sinon malaise. Mais bon, c'est fort probable en vrai. Arrête!
arrête de faire genre, tu la tiens cette lane. Tu es dominé. Ça me détruit. Quand ils sont là, ils essaient de te lâcher des wave control et tout. Non, tu es dominé. Mais sustime trop la Tristana, quoi. Qui me fait poke en fait. Eh bien, rage. Attends, comment je. Allez, creep. GG. GG à ces gens. Flush. Big. It's big. C'est gros. C'est gros, c'est massif, c'est imposant, c'est balèze. Non, toujours pas non map, Camille, ça. Ne viens pas essayer de me cancel, tu es dominé sur cette lane. Mais non, t'inquiète, elle a une brillance. Possible ça. X. Ouais, faut que j'arrête de. Ah, okay. My bad. En fait, son passif est revenu. Au moment où j'ai voulu la burst avec l'ignite, elle a surprendre son passif est revenu. La chance qu'elle a pas de jump. Hein. Bon. Si j'arrive à écraser la wave sous tour, ça restera ok. J'ai un feeling que Nidalee est là. Ok, non, elle est mine. En écrasant la wave sous tour et en allant chercher peut-être deux plaques, ça reste de sort d'invocateur bien utilisé. Ok, oui, c'est acceptable. Tu mens. Je sais pas pourquoi il lance un Drake. Elle a un dragon de l'océan, ça va être chiant. Ça va être chiant. Je sais pas. Ça va lui permettre de plus retenir que prévu. Ah ouais. Il se passe des trucs là. Elle a une barrette creep avec elle. En vrai, là, elle a beau être derrière, son setup immortel plus ce dragon de l'océan, elle va pouvoir tenir un peu la lane. Ok.
chance. C'est quoi ce merdier? On oh mon con! kill. Ça doit le faire. Okay. NP, c'est big. Putain, il voulait pas lâcher lui, hein. Ok, le petit reset. Ouais, je suis pas trop mal. Le petit reset, la petite stat, la petite veine, le bibi. Tiens, y a nos sorts d'avocateur sur lui du coup. Y a nos flashs sur la Camille aussi. Quasiment sûr qu'elle a flash top quand le Zac est tombé sur elle. Yeah, man. Ah ouais. Avec full fureur là, je lâche un all-in mais. Si, let's go. Let's go bro. Très bon gank. Ouais, super tête, bien là-dessus. J'avais un doute. Tu vas en trop top là avec tes stats. Au calme. T'as le Kraken? Oh que oui, Kraken une petite dague. Propre. Merci pour tout ce jeu les viewers. Je vous remercierai après la partie. Ouais, c'est fini. Ah the pain. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, bro? Mais ils sont 4 bots. Bah tu l'es. Bah bro, juste tu l'es. Ah ok mais pas, sorry bro. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore là? Non mais non, faut que je tape sa tourelle. Incorrigible ces joueurs de Camille, ils sont là, ils cassent les couilles. Il était joli oui. Fondage, là, en vrai, non. Il prend vraiment la tour sous ses yeux. Ah ouais. Ah ouais. Allez. Va te faire un peu foutre. Un peu, pas trop hein. Oh. Le flash du coup c'est juste ça. I'm out. Tu es hors. Ah, je crois que Camille n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer top. Ouais, j'ai bien l'impression. Elle m'a l'air d'être en désaccord avec cela. Et puis on va s'acheter un petit danseur fantôme. Bien. Non, c'est bien, ça l'a essayé bien. Putain, je lui mets 50 CS. Let's go.
Ok, Camille est revenue. Elle a pris le temps de réfléchir. Elle est pas si one-sided quand même la game. On l'a clairement, mais elle est pas encore gagnée. Il a l'intention de finir le Drake ou ok. Zach sociopathe. Camille ne veut plus. Elle est partie récupérer cette petite lane, mais elle ne veut plus. Elle était mid il y a 4 secondes. Qu'est-ce que t'as dit? Elle était mid il y a 4 secondes. Ah. Je crois qu'elle est en promenade. Allez, bot. Oh, j'ai même pas vu. Oh, c'est quoi ça? Attends, quoi? Everfrost Zyra? Kind of malaising, bro. Kind of a malaise. Ça mérite un bon gros altab, ça. Un bon gros altab et un black screen. Rien que pour vous, les regardeurs. Ça, c'est pour vous, les gars. C'est rien que pour vous. Ok, le gaming reprend. Alors, hop, hop. Oh, quoi? GG. Oh bah GG. Bon, moi c'est fait. J'ai mon 16 minutes, je suis content. J'ai pu jouer un peu. Eh bien, GG. J'honore Zach pour le motiver à continuer de pick Zach. Pour lui montrer que certes Mundo égale sanction, mais Zach égale récompense.